Oui, bonjour, Yves Kosgei, quel appareil? Ça va? D'accord, le sucrier de Marseille. Marseille, Bordeaux, certains ports où arrivait le sucre étaient particulièrement créateurs de sucriers en orfèvrerie. Hein? Et puis sinon, Yves Koskerik il est est bien marqué, commissaire-priseur, spécialisé dans les objets et le mobilier maritime. On démarre tout de suite pour l'ensemble de trois gravures à 200 euros chez preneur. Érudit, incollable et passionné, ses clients viennent du monde entier. Jugé 240. Au 128, nous passons ce petit objet, ce Nocturlarb, un instrument de marine. Et pour ce petit Nocturlarb, là tout de suite à 1000 euros et j'ai preneur. 1100 avec moi. 1300 sur le net. 1400 sur un téléphone. 1600. 1900. 2000. 2500. 1700. 3000. À 3000 euros, nous sommes. Qu'est-ce que dit le net? À 3000 euros, chaque juge. Le côté forte identité culturelle, ça crée aussi des marchés particuliers. Hein, les Bretons, ils s'aiment un peu partout. On est une petite diaspora à travers le monde et on vend à des Bretons qui sont installés au Japon, hommes d'affaires et autres, qui se réapproprient un peu une partie de leur culture et de leurs racines en achetant aussi des objets. Et ces collectionneurs amateurs d'art ont parfois chez eux de véritables trésors. Un voyage pour le plaisir dans le temps et l'histoire de la marine à voile. Une très grande huile sur toile de Marin Marie, un peintre un peu emblématique hein, de la marine, de la voile, peint vraisemblablement dans les années 25-30. On voit la force du pinceau, notamment dans les crêtes de vagues, avec une surcharge de matière à ce niveau-là, pour rendre un petit peu la fureur de la mer. Donc là, on se trouve devant un coffre typique de marin, de Terre-Neuve. Tout simple, vraiment un beau travail d'art populaire avec cette caisse là en bois, c'est du sapin. Hein. Sous le couvercle, eh bien, il y a sans doute le bateau dans lequel il a navigué, hein, ce petit bateau, et ça montre le départ du bateau. On voit ce bateau qui navigue en temps de tempête et sur une mer en carton et en papier. Hein, l'écume, c'est de la laine. Toutes les voiles et toute la mâture, tout est en bois et en papier. C'est ça qui est bien dans les objets, c'est le voyage. Hein.